Bonjour, je m'appelle Aurélia Lang, je suis responsable animation formation sur le secteur Paris et le nord-ouest de la France. C'est de recruter, de former, d'accompagner les formatrices animatrices Guinot. Avec mes trois collègues, on crée également tout ce qui est outils de formation, d'animation que nos équipes utilisent au quotidien. On intervient sur des formations spécifiques comme le management auprès de nos partenaires. On les motive grâce à l'accompagnement, la transmission de connaissances et de par le fait que le métier de formatrice animatrice est un métier qui est très diversifié. Il permet de s'épanouir au quotidien. C'est avant tout un lieu professionnel où on peut s'échapper du quotidien, surtout en ce moment, et confier notre visage, notre corps à des mains d'expertes. Que trois qualités, elles en ont beaucoup nos esthéticiennes, mais si je devais résumer, je dirais professionnalisme, savoir-faire et le savoir-être. Il y en a beaucoup, mais si je devais vraiment choisir qu'un, je dirais l'âge logique IE. Il lisse immédiatement la peau, il rajeunit visiblement instantanément le contour de l'œil, et quand on dort pas beaucoup, c'est juste magique. Pour moi, Guinot, c'est vraiment l'alternative à la médecine esthétique. Donc, si je peux repousser l'échéance le plus possible, ce sera parfait. Et je vais plutôt bien entretenir ma peau au quotidien pour pouvoir l'éviter le plus possible. C'est vraiment la phase active. J'ai une affinité toute particulière avec les soins qui possèdent un appareil. Je fais partie des clientes qui aiment vraiment les méthodes innovantes, l'efficacité d'un soin haute technologie. Et c'est pour ça que mon soin préféré, c'est Hydradermilift, sans aucune hésitation. Le courant de stimulation, cette sensation en fait de muscles qui bougent, le résultat est bluffant. C'est sans aucun doute mon chouchou. Pour moi, c'est un vrai choix, c'est une passion, déjà toute petite. Après mon BTS, j'ai tout de suite souhaité intégrer une grande marque et être vraiment actrice des changements de ce métier, pouvoir valoriser le métier d'esthéticienne que j'affectionne particulièrement. Soins manuels ou avec appareil, j'ai déjà répondu à cette question pour le coup. J'aime évidemment les deux, mais j'ai clairement une nette préférence pour les soins avec appareil. J'en ai en vrai deux. Je ne pourrais pas les dissocier. Je commencerai dans un premier temps par un bon gommage sur l'ensemble du corps. Ça va permettre de bien préparer ma peau au soleil. Et je complète avec la prise de capsules ProSun. Là aussi, toujours dans l'idée de préparer ma peau, mais cette fois-ci de l'intérieur, pour pouvoir avoir un bronzage doré qui va durer tout l'été et même encore plus longtemps.